Mesdames, messieurs, et s'il y a entre les deux, bienvenue à l'écran, à l'événement écran, l'événement QE rassemblant les amoureux de la nature. Aujourd'hui, vous savez ce qui vous attend, ou pas d'ailleurs. 5 groupes passeront à tour de rôle vous présenter leur projet à leur manière. Bien évidemment, vous savez quels groupes vont passer aujourd'hui, pas vrai? Je sais qu'il y a des menteurs dans la salle, donc arrêtez de mentir, on va vous les présenter. Alors, il y aura la team Dracofeu et leur version d'Allumer le feu. Il y aura la team Salads, qui ne sera pas si égane que ça, d'ailleurs. Et il y aura la team des Nymphes, qui fera sortir les enfants de la salle. Entracte. Ensuite, nous continuerons avec la douce équipe sucrète qui ferait rougir un diabétique. Et nous finirons par la merveilleuse, magnifique, incroyable, superbe, interactive, sublime, magnifique Team Plastique qui vous embarquera dans une aventure Pokémon. Poképlast. On a parlé droit. Vous pourrez poser des questions, même les plus farfelues, à la fin de chaque présentation. Voilà, on sait que comme ça, ça peut paraître énorme, et c'est ce qu'elle disait, mais ne vous inquiétez pas, il y aura des pauses entre chaque événement, entre chaque représentation, et après, il y aura une petite entracte avec un goûter. Voilà. Les pauses, justement. Voilà, donc, nous reviendrons après votre session questions pour voir si vous allez bien, si vous n'êtes pas mort, si vous êtes toujours en vie. Finalement, c'est toujours mieux d'avoir un public vivant, et je compte sur vous. Donc, on ne va pas prendre plus de votre temps, parce qu'il y a énormément de personnes ici qui ont été forcées de venir. Voilà, tout simplement. Donc, j'espère que vous aimerez. Mais voilà. Voilà. Maintenant, laissons place à la team Dracofeu. Ils vont mettre le feu à la scène. S'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements. Let's go! Voilà. Donc, bonjour, merci d'être venus. Nous, on est la team Dracofeu. Et pour commencer cet événement, on veut savoir qui vous êtes. C'est très important pour nous. Et pour cela, quoi de mieux qu'un test de personnalité comme dans les magazines? Et oui, c'est la petite feuille, je vous vois la montrer. Voilà. Donc, on veut savoir quel pyrophyte vous êtes. Mais c'est quoi un pyrophyte? Bah, Valentine, tu sais pas ce que c'est un pyrophyte? Non, pas du tout. Et toi, Claire? Moi non plus, je fais semblant. Bon, bah, j'imagine que vous non plus, du coup, ok. Pyrophyte, pyro, feu, phyte, plante. Les plantes qui résistent au feu ou qui l'utilisent. Mais il y a deux types de pyrophytes. Premier type, les pyrophytes passifs sont juste ceux qui vont résister au feu. Deuxième type, les pyrophytes actifs qui vont utiliser le feu pour se propager, se reproduire, etc. Voilà. Mais je vous vois venir. Peut-être que dans la salle, il y a des gens qui ne savent pas comment marche un test de personnalité de magazine. Donc, je vais vous expliquer, c'est très simple. Normalement, à l'entrée, vous avez eu 7 petites feuilles et un stylo. Très bien découpé. Tout le monde là ? C'est bon. Et donc, on va vous afficher des questions. Il y en a 8 et 5 réponses par question. Vous cochez juste celle avec la forme qui vous correspond. Et à la fin, on compte quelle forme vous avez le plus. Et ça nous dit quel pyrophyte vous êtes. C'est bon, tout le monde est prêt ? Alors, c'est parti ! Ok, let's go. Première question. Un individu très mal intentionné critique votre tenue du jour. Comment réagissez-vous? Première option, mais qui il est celui-là? Vous montez sur vos grands chevaux, prêt à en débattre. Vous retenez de pleurer, quel monde cruel. Pas d'inquiétude, on ne doit pas s'adresser à vous, vous habillez tellement bien. Vos vêtements, c'est votre armure. Vous savez résister à toutes les attaques. Ou personne n'oserait vous parler comme ça. À ses risques et périls. Ok. Vous êtes dans un environnement très compétitif. Comment réagissez-vous? Première option. Vous avez des techniques de triche pour gagner coûte que coûte. Deuxième option. Je fais de mon mieux pour survivre. Troisième option. Compétition? Quelle compétition? Je suis le meilleur. Ou alors, pas de compétition pour moi, je fais de mon mieux et c'est déjà bien. Ou alors, il s'agit d'éliminer la compétition. Moi, rire machiavélique. Donc, on vous demande de l'aide, vous êtes plutôt. Ça dépend qui c'est, j'ai mes préférences. Je ne suis pas sûre d'avoir les capacités d'aider cette personne. La famille et les amis avant tout, le reste, je m'en fous. J'aiderai n'importe qui, je suis la bonne poire du groupe. M'aider, moi aider, vous rêvez des yeux, je n'aide personne. Quatrième question. Êtes-vous quelqu'un d'impulsif? Oui, je m'énerve très facilement. Moi, jamais. Je suis quelqu'un de très réfléchi. Ça dépend des fois où je suis maître de mes émotions, tel Bouddha, où personne n'oserait m'énerver. Comment réagissez-vous face au stress?
Je panique. Risque de burn-out. Ou alors, un petit Xanax et ça passe tout seul. Voilà. Je libère mon véritable potentiel. Je suis rarement en situation de stress car je suis très bien organisée. Ou enfin, dernière option, je sais gérer le stress à la perfection. Moi, je choisis le Xanax, perso. Du coup, question 6. Dans quelle région du monde voudrez-vous habiter ? En Australie ? N'importe où, vous n'êtes vraiment pas quelqu'un de très difficile. En Amérique ? En Europe ? Ou dans un marais humide avec les insectes, avec Shrek aussi. C'est très important de le préciser. 7e question. Si vous avez des enfants, vous serez plutôt du type « Je ferai des crasses aux camarades de classe pour que mon enfant puisse être le meilleur. » Maman poule à l'extrême, je protégerai mes rejetons dans leur cocon toute leur vie. Pas d'inquiétude, vos enfants seront en sécurité avec vous. Je ferai de mon mieux, mais je ne garantis rien. Je n'aime pas les enfants. Si vous deviez donner un adjectif pour vous décrire, ce serait impulsif, stratège, imperturbable, protecteur ou déterminé. Alors le moment que vous attendez tous, les résultats, et on va vous juger un petit peu. Si vous avez obtenu le plus de triangles rouges, vous êtes, faites du bruit, l'eucalyptus. Vous êtes un arbre pyrophyte, mais pas n'importe quel arbre pyrophyte, vous êtes un pyrophyte actif. C'est-à-dire que vous allez participer à la création ou à la propagation d'un feu. Donc en fait, dans l'eucalyptus, il y a des terpènes. Des terpènes, c'est une catégorie de molécules exclusivement composées de carbone et d'hydrogène qui, en fait, exposées à une certaine température, donc à peu près 50 ou 60 degrés, va prendre feu. Donc en fait, l'eucalyptus, il va mettre le feu. Voilà. Donc si vous êtes tombé sur l'eucalyptus, vous êtes quelqu'un d'assez impulsif, prêt à tout pour détruire la concurrence et même à mettre le feu. Ensuite, nous avons les ronds jaunes. Faites du bruit ceux qui ont les ronds jaunes. Ouais. Si vous avez eu ceci, vous êtes le séquoia. Donc le séquoia, c'est un grand arbre d'Amérique. Et c'est un pyrophyte actif aussi, mais dans une autre catégorie. En effet, celui-là ne va pas permettre de faire du feu. En revanche, ces graines sont contenues dans des cônes qui, au contact du feu, vont exploser, ce qui permet de répandre les graines tout autour de lui. Donc si vous êtes le séquoia, vous êtes quelqu'un de très fiable, très stable dans votre vie. Vous êtes prêt à tout pour protéger vous et vos proches. Si vous avez le plus de losanges violets, faites du bruit. Vous êtes le chêne-liège. Bravo. On vous aurait presque oublié. Donc le chêne-liège, c'est une plante ignifuge. C'est-à-dire qu'il a une écorce qui est très épaisse et qui va résister au feu. Donc en fait, on dit qu'on vous aurait presque oublié, mais en fait, vous êtes des héros parce que le chêne-liège est utilisé par les hommes pour servir de barrière contre le feu. Bravo. Ensuite, nous avons l'étoile verte. Est-ce que quelqu'un a l'étoile verte ici ? Oui. Bravo, parce que vous êtes la plante la plus connue, la Dionée attrape-mouche. Eh oui. La Dionée attrape-mouche est un pyrophyte complètement passif. En effet, ses tissus sont gorgés d'eau, ce qui l'empêche de prendre feu. Donc, si vous êtes la Dionée attrape-mouche, vous êtes quelqu'un de très humide avant tout, mais aussi très fier et déterminé dans ce que vous faites, mais peut-être un peu égoïste, faites attention, mais on vous aime quand même. Et pour finir, si vous avez le plus de carrés bleus, vous êtes le pin d'Alep, c'est notre chouchou, la preuve, on lui a dessiné des yeux. Et oui, c'est un arbre originaire du bassin méditerranéen, et il n'a pas vraiment le climat qu'il n'apprécie pas, du coup on le retrouve dans la plupart des pays du monde, sauf quand il fait trop froid, et oui c'est un frileux. Donc c'est un pyrophyte qui est à la fois passif et actif. Pourquoi ? Passif parce que lorsqu'il sera un peu sujet au feu, donc quand son tronc sera un peu carbonisé, il va assez facilement refaire des bourgeons après. Et actif parce que du coup le feu, comme pour le séquoia, va lui permettre de libérer ses graines qui sont contenues dans des cônes. Et pour ça, il va faire exprès de propager le feu, donc en utilisant ses aiguilles qui, lorsqu'elles sont sèches, sont très inflammables. Si vous êtes le pin d'Alep, vous pouvez vous considérer comme de bonnes personnes, bravo, qui vont tout faire pour le bien de leur famille et leurs amis.
mais vous restez quand même des fins stratèges. Et ça peut être utile dans la vie. Voilà. Du coup, merci de nous avoir écoutés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est là pour y répondre. Bonjour. Mais du coup, ma question, c'était, vu que les pyrophytes, leur reproduction, elle est favorisée grâce au feu, et bah, est-ce que, genre le séquoia, par exemple, il peut se reproduire que quand il y a du feu? C'est quand même pas très pratique. Du coup, le séquoia, effectivement, il peut se reproduire que quand il y a du feu. Donc, en général, la nature lui propose ça tous les 4 ans, on avait vu. Mais dans les réserves, par exemple, dans des grands parcs, les personnes qui s'en occupent déclarent des feux exprès qu'ils contrôlent pour pouvoir faire la reproduction des séquoias. Mais par exemple, le pin d'Alep, qui a exactement le même fonctionnement, enfin exactement, c'est vite dit, lui, juste des fortes chaleurs peut lui permettre de répandre ses graines, il n'a pas forcément besoin du feu. J'espère que ça répond à ta question. Bonjour, oui c'est bon. Est-ce que vous pouvez expliquer la différence entre passif et actif ? Alors, comme dit dans le nom, passif, ils ne vont pas vraiment jouer avec le feu. Ils vont juste y résister. Donc, c'est tout pour survivre, en fait. Alors que actif, justement, eux, ils vont soit aider à propager le feu, donc comme l'eucalyptus, par exemple, qui, bah, voilà, ou le feu va leur être utile pour leur reproduction, par exemple, comme le séquoia ou le pin d'Alep. Voilà. Mais du coup, est-ce qu'il n'y a pas des dommages collatéraux avec le feu ? Parce que bah, c'est des plantes, donc, enfin des arbres, mais du coup, est-ce que ça les abîme pas un peu ? Enfin... Alors, pour l'eucalyptus, s'il commence à s'enflammer à cause de ses terpènes, oui, il va prendre feu aussi, mais il va participer à la propagation du feu. Après, pour les pyrophytes passifs, comme le chêne-liège ou le séquoia, ils ont une écorce très épaisse, du coup, le feu va les atteindre, mais ce sera très limité. Voilà. Après, pour les pyrophytes actifs aussi, c'est dans leur avantage de brûler ce qu'il y a autour d'eux pour avoir plus de place et que leur descendance puisse se développer plutôt que avec plus de place. Voilà. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais franchement, je suis très heureuse de ça parce que j'ai découvert mon fond intérieur. Tu veux dire ton pyrophyte intérieur ? Exactement. Je suis Giuseppe, le pin d'Alep. Ou si vous avez mal compris, Giuseppe. Voilà. Avec un accent espagnol, c'est mieux. Oui. Mais bref, passons. Désormais, nous allons passer à la deuxième team d'aujourd'hui, la team salade. C'est toujours mieux à deux, franchement. Mais c'est ce que dirait un herbivore s'il n'était pas trop occupé à mâcher. Et tout ça, ça va être expliqué par la team salade, qui vous expliquera pourquoi la symbiose est meilleure que la cellulose. Attendez un applaudissement, s'il vous plaît. Si je vous parle aujourd'hui, c'est pour vous parler avant tout d'herbivores, mais aussi de végétaux. Et les végétaux, ça fait peur à personne dans cette salle, j'imagine, mais vous devriez. Vous devriez parce que les végétaux, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas digérer, et qu'en fait, aucun animal ne peut digérer seul. Ils ont tous besoin d'un coup de main, et c'est le cas des herbivores. Les herbivores ont trouvé la parade, c'est la symbiose. Rien à voir avec Spider-Man, évidemment. La symbiose, on va vous en parler maintenant. La symbiose, c'est quand deux espèces s'entendent tellement bien que parfois, elles ne peuvent vivre sans l'autre. Il s'agit bien évidemment d'une relation mutualiste entre elles, où toutes les deux espèces tirent profit de cette association. Je vous en parle car c'est le cas de la relation qui existe entre les herbivores et les microbiotes. Un microbiote, c'est un ensemble de micro-organismes vivants, c'est un autre. Ils peuvent vivre sans impacter la vie de l'autre ou être en relation mutualiste avec lui. C'est de ce dernier cas dont on va vous parler aujourd'hui avec un microbiote participant à la digestion chez les herbivores. Les microbiotes, c'est quelque chose qu'on retrouve un peu partout chez les herbivores, mais en fait, on va s'intéresser maintenant au cas de la vache, qui est un cas un peu particulier. Tout d'abord, comment ça se passe niveau cellulose ? La cellulose, qu'est-ce que c'est ? La cellulose, c'est ce qu'on retrouve dans les cellules de tous les végétaux, au niveau de la paroi, et la cellulose, c'est rien d'autre que du sucre. Du sucre un peu particulier, du sucre qui est un peu
qui forment des fibres extrêmement résistantes. Et quand je dis extrêmement résistantes, c'est que ça l'est vraiment. Il n'y a qu'une enzyme qui est capable de la couper, c'est la cellulase. La cellulase, reconstitution assez fidèle de ce qu'elle fait. La cellulase qu'on retrouve uniquement, que presque aucun animal ne peut synthétiser lui-même. Et la vache ne fait pas partie des animaux qui peuvent la synthétiser eux-mêmes. Donc, comment fait-elle ? Elle a trouvé la parade. Tout d'abord, son type digestif est très particulier. Vous avez peut-être entendu dire qu'elle a quatre estomacs. Bien, il serait plus correct de dire qu'il en a un qui procède, qui succède du moins aux trois autres compartiments, dont le rumen, où se trouvent logés les micro-organismes participant ici à la digestion chez les herbivores. Imaginez-vous dans un rumen à 39 degrés, du méthane, du COD, un environnement acide. Bah, tout ça, c'est parfait sur nos bûcherons. Le microbiote de ces animaux est très efficace, découpant les fibres de cellulose avec une efficacité qui rendrait jaloux n'importe quel tronçonneuse. Vous vous demandez peut-être c'est quoi ces micro-organismes ? Ce sont surtout des bactéries, mais aussi des archées, organismes unicellulaires prokaryotes, mais aussi des protozoaires, organismes eucaryotes, unicellulaires et même des champignons. Ces organismes microscopiques et très petits sont plusieurs milliards dans le rumen. Donc, d'un côté, nous avons bien ces petits organismes, de l'autre côté, le ruminant qui les héberge. En quoi y a-t-il donc symbiose mutualiste entre les deux ? La cellulose, une fois découpée en petites briques de glucose, ces petits organismes les utilisent. Ils réalisent la fermentation pour en tirer l'énergie dont ils ont besoin du moins. La fermentation, ça libère des gaz comme le COD et du méthane qui provoquent ici le fameux rot des vaches. Mais pas que ça, ils libèrent aussi des acides gras volatiles. Ces acides gras volatiles sont des petites molécules qui servent ici de source d'énergie pour les bovins. Donc, on a bien évidemment un cas de symbiose mutualiste dans lequel l'association obligatoire est bénéfique aux deux parties. Mais pour les symbioses, la taille, ça ne compte pas. Et c'est les insectes qui nous le montrent. Si on prend l'exemple des termites, les termites, petits insectes bien connus, ont plusieurs particularités très étonnantes. Tout d'abord, contrairement à la vache, leur microbiote, il est dans l'intestin et non pas avant l'estomac. Mais surtout, les termites font partie de ces fameuses exceptions qui synthétisent eux-mêmes la cellulase. Donc, finalement, on pourrait se dire, pas besoin de micro-organismes. Mais ils en ont bien. Ils réalisent bien une symbiose avec des micro-organismes. Pourquoi faire ? On pourrait se dire, mais évidemment, les termites sont un peu gourmandes. Elles ajoutent quoi à leur menu ? Du bois. Du bois, et le bois, c'est aussi de la cellulose. Mais il faut aussi autre chose pour le découper, puisque le bois est renforcé par de la lignine. Et la lignine, il faut la découper avec quelque chose. Et là, suspense, c'est de la ligninase. Et la ligninase, nouvelle représentation fidèle de son fonctionnement. Et les termites font donc partie de ces seuls animaux qui sont capables de digérer du bois. Petite anecdote, si vous enlevez un pauvre termite son microbiote, vous lui enlevez aussi 40% de son poids. Alors, ces associations-là, donc, on les retrouve un peu partout chez les herbivores, vous l'avez compris, et elles ne sont pas arrivées hier. Elles sont là depuis un bon bout de temps, et si on les retrouve depuis aussi longtemps, elles ont évidemment influencé l'évolution de tous les animaux qu'on retrouve dans ces associations. Et donc, on parle alors de coévolution. Alors, qu'est-ce que l'évolution ? L'évolution, c'est quand des animaux sont influencés par l'évolution d'autres espèces. Alors, on peut voir l'exemple que je vous ai mis, c'est l'exemple de la pollinisation. La pollinisation, on a l'influence des pollinisateurs sur les fleurs. Les fleurs, elles n'ont pas ces couleurs-là uniquement pour faire joli. Ces couleurs-là attirent les pollinisateurs. Et de leur côté, pas de jaloux, les pollinisateurs, eux aussi, sont affectés
On a l'exemple du colibri avec son bec toujours plus long, qui va au fond des fleurs, qui sont elles aussi de forme assez particulière. Hop. Et dans le cas de la digestion chez les herbivores, nous avons là de très nombreux exemples de coévolution. Tout d'abord, les micro-organismes ont influencé au cours du temps, non seulement sur le régime alimentaire de leurs hôtes, mais aussi sur leurs organes ou même sur leur système immunitaire. Et de l'autre côté, ces micro-organismes se sont adaptés aux conditions peu communes qu'on trouve dans le système digestif de ces animaux. Et tant si bien qu'aujourd'hui, il y a certains micro-organismes qu'on ne trouve qu'au sein du microbiote. Si on revient sur l'exemple de notre vache et de son appareil digestif si particulier, son rumen s'est adapté à l'accueil des micro-organismes, mais aussi à l'absorption des nutriments qu'il libère. Du côté du microbiote du rumen, les chercheurs ont pu démontrer que la race, le sexe ou même le régime alimentaire du bovin influence sur la nature des espèces présentes dans le microbiote de l'air rumen. Donc, ça tombe bien, car nous voyons encore que c'est bel et bien un cas de coévolution. La transmissibilité, justement, d'où vient ce microbiote? Alors, personne ne naît directement avec son microbiote. Il faut l'acquérir au cours de sa vie. Si on reprend donc encore une fois, encore et toujours, l'exemple de notre vache, l'exemple de notre vache nous montre que, tout d'abord, le petit, lorsqu'il naît, il entre en contact d'abord avec le microbiote vaginal de la vache, puis le microbiote des tréons, là où est-ce qu'il va téter, puis le microbiote de la bouche. Donc on ne fait que parler de microbiote, c'est un peu la microbiote mania, qui est un peu, on a l'impression, là, c'est pas possible. On trouve des microbiotes un peu partout chez la vache, et donc c'est comme ça que le petit va être contaminé. Contaminé, rien de grave. Rien de grave, heureusement qu'il est contaminé, puisque c'est comme ça qu'il va acquérir son microbiote. Il va acquérir son microbiote et pouvoir ainsi se nourrir, puisque c'est comme ça qu'il construit l'intégralité de son microbiote. Alors, c'est un peu pareil chez les termites, c'est un peu pareil, mais il y a des particularités qui valent le coup d'être mentionnées. Chez les termites, en effet, le microbiote n'est pas acquis par l'intermédiaire direct des parents, mais par l'intermédiaire de leurs excréments. Et oui, donc c'est l'anecdote des gueux numéro 1. Il y en aura une numéro 2 aussi. Et donc tout simplement, c'est de la coprophagie. Les petits donc mangent les excréments de leurs parents. Et petit fun fact, c'est aussi le cas de l'insecte préféré des Français de 2023, la punaise de lit. Donc, voilà. Vous l'avez compris, la digestion chez les herbivores, c'est quelque chose. Mais ce n'est pas tout. Petite liste de quelques espèces remarquables. Les ruminants précédemment évoqués possèdent donc un rumen. La diversité des espèces de micro-organismes qu'on y trouve est très impressionnante. Et cela les permet d'avoir à l'air mini des plantes un peu spéciales. En particulier, le faux mimosa. Le faux mimosa, une fois digéré, libère une toxine. Mais cela ne dérange pas autant que ça nos bovins. La réponse est comme souvent dans l'air humain, une espèce de bactérie y a été découverte. Cette espèce de bactérie est capable de dégrader cette toxine. Eh bien, ça tombe bien car le faux mimosa est très utilisé pour nourrir le bétail. Et dans le même genre, nous avons Neotoma du désert, un rongeur. Nous avons Neotoma du désert, un rongeur d'Amérique du Nord qui mange carrément les plantes toxiques. Ces petits rats du désert se nourrissent du créosotier, un arbuste du moins, qui se défend en libérant une toxine qu'on appelle le créosote. Visiblement, ces petits rats du désert n'en ont rien à foutre. Ils mangent à longueur de journée cet arbuste et aux dernières nouvelles, ils se portent bien. Vous l'avez deviné, encore une fois, les micro-organismes les sauvent la mise. Ces derniers influencent non seulement leur régime alimentaire, mais aussi ils ont un habitat dans une poche pré-estomac à l'abri de l'acidité. Donc, nous voyons bel et bien qu'il s'agit encore
d'un cas de coévolution où le microbiote influence l'anatomie de son hôte. Mais alors, ces microbiotes, est-ce qu'ils sont si formidables que ça en toutes circonstances? Est-ce qu'il n'y aurait pas finalement un cas, au moins un, de microbiote vraiment nul, finalement? Eh bien, oui. Et c'est le fameux, c'est le panda qui est un peu nul dans tous les compartiments, hein, et qui finalement nous donne cet exemple. Alors le panda, c'est un ours, mais qui fait figure un peu d'anomalie, puisque comme vous le savez, son truc, lui, c'est le bambou. Et le bambou, il en mange, c'est 99% de ce qu'il mange en fait. Donc 99% de ce qu'il mange, et peut-être aussi 99% du temps de sa journée, c'est ce qu'il fait, manger du bambou. Et au final, malheureusement, quand on regarde un petit peu les stats, il n'arrive pas à vraiment à digérer ce qu'il mange en fait. Donc il mange du bambou, mais il en digère 17%, alors que la plupart des autres herbivores atteignent 80% d'absorption de ce qu'ils mangent. Donc finalement, on comprend là pourquoi il est obligé de passer sa journée à manger. Il n'a pas le choix, tout simplement, s'il veut survivre. Donc ça, c'est un peu triste pour lui, mais les chercheurs se sont demandé quand même s'il n'y avait pas un avantage tout de même à ce microbiote. Est-ce qu'il n'est pas tout simplement, est-ce qu'il n'a pas quelque chose d'autre qu'il peut apporter? Et donc là, on arrive vers l'anecdote dégueu numéro 2. Et l'anecdote dégueu numéro 2, c'est quoi? C'est qu'ils ont tout simplement réalisé une expérience avec des excréments de panda qu'ils ont greffés à des souris. Et donc, ils ont greffé ces excréments à des souris et ils se sont demandé donc ce qui allait se passer. Donc déjà, c'est une belle idée, ça. Et donc, ils se sont demandé ce qui allait se passer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les souris ont pris du poids. Les souris ont pris du poids. Et au final, elles prenaient d'autant plus du poids si les excréments venaient de périodes où c'était le moment de la pousse des bambous. Ils en ont conclu quelque chose, c'est que le microbiote des pandas, il sert tout de même à quelque chose. Il accumule de la graisse et permet aux pandas d'avoir ces rondeurs si connues, si particulières, durant toute l'année. Ça lui fait des réserves finalement. Et ça lui donne cet air si reconnaissable. Donc voilà, le microbiote des pandas, c'est quelque chose. Au final, les microbiotes, c'est un peu entre, si on a l'efficacité de notre vache, l'efficacité de l'onininase chez les termites et la non-efficacité chez le panda, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. C'est comme une boîte de chocolat. Et on sait juste qu'on va bien manger. Merci à tous. Pour la question. Ok, ça marche. j'aimerais savoir si les micro-organismes, du coup, dans le rumen, par exemple, l'air humain, ils auraient un intérêt à sortir de ce territoire ou si on les maintient dans ce territoire-là? Alors. La coopération est tellement forte qu'en fait, la plupart des espèces qu'on trouve dans le rumen, on les trouve que dans le rumen. En fait. On les trouve pas ailleurs dans la nature. Voilà. Donc, il n'y a pas l'un sans l'autre, en général. Et du coup, même pas ailleurs dans l'organisme de la vache? Ah, ailleurs dans l'organisme, ça, je ne saurais pas vous dire, mais je pense qu'il y a un microbiote tout de même assez particulier en fonction des parties. Par exemple, le microbiote buccal peut pas être le même que le microbiote du rumen, pas être le même que le microbiote des trayons, etc. Et du coup, est-ce qu'ils interagissent entre eux? Ah, ça, je ne saurais pas vous dire. Ok, d'accord, merci beaucoup. Bonjour à tous. Bonjour. La vache a bien 4 estomacs et vous avez le même système partout? Non, en fait ce qu'on appelle l'estomac au sens strict, c'est là où il y a les sucs gastriques, donc là où est-ce qu'il y a l'acidité. Ouais. Mais les autres, en fait, c'est d'autres compartiments qui font partie du tube digestif. Donc le rumen, en fait, c'est des compartiments un peu plus spécialisés. Mais vraiment, si on reste stricto sensu, l'estomac, c'est après le rumen, c'est après la caillette, etc. C'est plus loin. Bonjour, merci. Bonjour. Je voulais vous demander si vous aviez des exemples de symbiose mutualiste avec le microbiote humain, enfin dans l'intestin humain. Ah bah oui, l'intestin humain, on a un microbiote qui fait pas le même travail puisque on digère pas aussi bien les végétaux que les herbivores,
Mais oui, c'est un exemple de symbiose aussi pour le microbiote humain. Et quel que soit d'ailleurs le microbiote buccal, microbiote, tous les endroits de l'organisme. Ah là là, l'amour c'est vache, mais faire l'amour ça l'est encore plus. Justement, on va en parler. Eh bien, c'est une parfaite transition pour parler du groupe des nymphes. Donc, je vous demande un tonnerre d'applaudissements finalement pour le groupe des nymphes. Voilà. Donc, chère audience, je vais vous transporter dans le royaume des animaux. Merci. Ça va être un sacré transport. Donc, j'ai été programmé par la Biscorp car j'ai appris que vous aviez quelques problèmes pour pécho. Et donc, j'ai été envoyé par Manu, aka Emmanuel Macron, le président, dans le but du projet secret, le réarmement démographique. Donc, pour commencer le voyage, je vais avoir besoin que vous applaudissiez une fois, s'il vous plaît. Deux fois maintenant. Et un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Merci beaucoup, le voyage commence. Cette fois-ci, c'est la bonne. Vous êtes prêts? Ok. 3, 4, et battu, devant... Non, ok. Ça va pas le faire, ça va pas être possible. On reprend, je dis le tempo, et cette fois-ci, vous écoutez, vous êtes attentifs, d'accord? Sinon, ça va... Ok. 3, 4, et battu, devant, derrière, deux entre chaque quatre et un brisé. Dessus, dessous, dessous, dessus, glissade, cabriole, je t'ai pas de bourré. À gauche, 1, 2, 3... 4, chat 4, brisé, plié, tendu, un seul bras sur sa cabriole, le... Pause. Donc, pour notre audience déconcertée, ici, nous avons les mannequins à longue queue, donc les Chirofixia caudata. Ici, on peut observer un mâle mannequin à longue queue, qui possède, donc, sur sa tête, un plumage plutôt rouge, et le reste de son plumage est bleu et noir. La patte bleue. Oups. Et le reste, donc, ce sont des autres mâles qui sont encore en période de développement. On peut voir qu'ils ont un plumage qui est également vert. Non, c'est pas possible. Non, là, ça me tend, je vous jure. Je vais jamais réussir à me reproduire. Vous êtes trop nuls. Pourquoi est-ce que j'ai monté mon groupe avec vous? Non, je peux pas. On va les laisser tranquilles parce qu'ils ont l'air un petit peu occupés, comme vous pouvez le voir. Donc, ce qu'il faut savoir également chez les mannequins, c'est qu'en fait, ils ont une parade nuptiale qui est assez particulière, puisqu'en fait, plusieurs mâles vont participer à cette parade. Donc en fait, tout simplement, on a le mâle alpha qui est encore une fois avec la tête, avec le corps bleu, pardon, qui va choisir donc le reste des mâles en fait dans une zone de parade et ensuite ils vont faire leur parade pour la femelle et la séduire. Donc comme quoi, les hommes, savoir danser, c'est pas mal. Prenez-en de la graine, s'il vous plaît. Donc maintenant, on a fini avec les mannequins, on va pouvoir passer à la prochaine espèce, les baudroies. Le voyage continue. Waouh! Les dents de l'amour, ça a l'air vraiment un sacré film. J'irai le voir le week-end prochain, du coup, quand j'aurai un moment. Donc, les baudroies abyssales sont réparties dans plusieurs familles du genre des lophiiformes. En fait, elles sont présentes sur tout le globe entre 200 et 5000 mètres de profondeur. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a le nom abyssal. Ici, on a une femelle Cryptopsaras coesi qui joue avec sa lampe torche qui lui permet de lire, mais également d'attirer les proies. Et les mâles aussi. Vous savez pas comment c'est difficile de pêcher à cette profondeur? Non, mais je vous jure, il y a rien. Heureusement, les mâles de notre espèce, ils ont un système olfactif très développé. Et ce système olfactif, il leur permet de détecter nos phéromones. Un peu comme un message qui leur dirait « femelle fertile à 2 km ». Vous savez, comme le téléphone rose ou la douce mélodie du bois de Boulogne. Maman? Oui? Mais il est où mon papa? Il est juste là. Donc, pause pour notre audience confuse, encore une fois. Les baudroies, en fait, ils ont une méthode de reproduction qui est assez particulière. Donc, contrairement à ce que vous pouvez penser, en fait, le mâle n'a pas oublié le joyau de sa couronne chez lui après une petite période de fun. Mais en fait, il a fusionné avec la mère. C'est donc, en fait, un petit peu l'engagement ultime pour le meilleur et pour le pire. Et le mâle ne peut pas fuir ses responsabilités. Oh, ça va, Pénélope. Ne fais pas la fine bouche, enfin. Bon, ok.
Je vois que vous êtes tous confus, donc on va vous éduquer un peu et ouvrir les portes de votre esprit. Donc, comme vous pouvez voir, en fait, le petit mâle, qui ne fait que quelques centimètres par rapport à la femelle, qui est bien plus grosse, lorsqu'il voit la femelle et sa lampe torche, il ne peut refuser à la séduction et il vient. Et la mort. C'est mon kink. Ne vous inquiétez et pas. Et après cette morsure, en fait, on a une fusion qui... Fusion. Et en fait, les circuits sanguins du mâle et de la femelle vont progressivement se connecter. Le mâle va régresser jusqu'à ce qu'il ne reste plus que la femelle et ce qu'elle ne possédait pas déjà avant. Une grosse perle de Je crois que je vais vomir. Bon. Les filles, je sais que vous êtes jalouses, pas la peine de me le dire, je le sais déjà. Et oui, parce que en fait, la praticité d'avoir ça, c'est que... En fait, je peux choisir quand je peux me féconder. Pas de problème, pas de grossesse non désirée. En plus de ça, il est toujours d'accord avec moi, pas vrai chérie? Crevette au dîner, ça te va? Super, super, super. Et le plus gros avantage, c'est que bah, je peux fusionner avec plusieurs mâles pour avoir plusieurs paires de testicules et plusieurs paires potentielles que je peux choisir. Regardez, là j'ai Eric, Yannick... Patrick, bref, vous avez compris le concept, mais vous inquiétez pas, hein, ils sont tous consentants. Pas vrai? Oui. Sur ces bonnes paroles, n'oubliez pas que le long silence ne veut pas dire oui, le consentement avant tout. Et passons ensuite à la prochaine espèce. Le voyage continue toujours. On va faire place aux araignées. Allô? Allô, oui? Encore? T'as encore mangé ton partenaire? Non, mais je peux plus t'aider, là. Bah non, je suis pas cannibale, moi, je sais pas comment faire. Bon, écoute, oui, oui. Bon, voici une araignée femelle, donc Anelocimus viarae, pardon. Elle discute avec son amie Phelloponella prominence. Bon, écoute, je te laisse, j'ai toute une bande d'humains qui me fixent. J'ai peur qu'ils sortent l'aspirateur, jamais je parle pas. Bonjour, bonjour. Alors moi, on m'a dit de vous apprendre quelques trucs sur ma sexualité. Du coup, bah, je vais commencer par faire la différence entre un mâle et une femelle, dans mon cas. Vous avez déjà entendu parler de dimorphisme sexuel? Non, vous n'êtes pas des lumières, ça se voit. C'est pas grave. Alors, le dimorphisme sexuel, c'est le fait que chez une même espèce, le mâle et la femelle aient un aspect différent. Typiquement, chez l'araignée, le plus simple, c'est que la femelle est généralement plus grande et plus grosse que le mâle. Tu peux venir, chérie? C'est bien, il est beau, hein? Bon. Autre dimorphisme sexuel, qui est celui-ci, est inclus du coup dans la copulation, c'est au niveau des pédipalpes. Génial. Ce que vous voyez en bleu... Pardon. Ce que vous voyez en bleu... L'intelligence artificielle a quelques problèmes des fois. Ce que vous voyez en bleu sur ces photos s'appelle du coup des pédipalpes. Et elles diffèrent du coup chez le mâle et la femelle. Pour la femelle, elle ressemble à toutes les autres paires de pattes. Pour le mâle, les bouts sont élargis et possèdent un bulbe copulateur. Ça ressemble un peu à des gants de boxe. C'est bien, montre-les. Ouais. Ouais. Okay. Je peux rentrer, chérie. Génial. Bon, du coup, c'est quoi un bulbe copulateur? Pour faire simple, parce que vous n'avez pas non plus des lumières, encore une fois, c'est le pénis de l'araignée. Sauf que le pédipalpe n'est pas relié aux glandes sexuelles. C'est un peu comme si chez vous, les humains, le pénis n'était pas relié aux testicules. Aïe, aïe, aïe. Compliqué. Du coup, pour ça, pour pouvoir se reproduire, le mâle fait une charge. C'est-à-dire qu'il va éjaculer sur une toile, qui s'appelle une toile spermatique, et il va ensuite faire une charge du coup en semence. Donc il va éjaculer juste là, il y a marqué sperme, du coup. Forcément. Pour chaque espèce, la toile diffère. Dans le cas de mon espèce, par exemple, elle a la forme d'un sablier. Mais ça peut différer chez toutes les espèces. Donc, c'est bien beau de nous parler du mâle, mais dans tout ça, les femelles, qu'est-ce qu'elles font? Eh bien, la femelle, c'est une diva. C'est celle qui choisit son partenaire et s'ils se reproduisent ou non. Du coup, les mâles doivent nous séduire avec une petite technique. Ils font vibrer les fils de nos toiles pour nous faire vibrer nous aussi. Bon, une fois la séduction faite, on laisse le mâle s'approcher, on se caresse un peu, et la copulation a lieu. Bon, ça, on va pas vous le mimer. En fait, si, si, vas-y. Tain, 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 tain. Bon, stop, tain. C'est assez, je pense que mes exemples, ils ont compris. Bon, vu comme ça, ça ressemble un peu à un combat de boxe, mais je vous jure, il n'y a rien de méchant, c'est que de l'amour. Ce serait bien de se dépêcher un petit peu, parce que là, on n'a plus trop de temps, Inès. Bon, bah, je suis désolée, sur ça, je vous laisse. Si jamais vous voulez en savoir plus sur la sexualité des araignées et autres, il y a un super magazine qui est sorti ce mois-ci. Les auteurs, ils sont géniaux. Je sais pas qui c'est, hein, mais ils sont vraiment géniaux. Merci beaucoup, c'était les araignées. Et nous allons désormais passer à la dernière espèce, donc les hippocampes. On est de retour dans la mer. Oupsie. Désolée, on n'avait plus de budget. En
Enfin bref, dans notre espèce, on se séduit mutuellement. C'est-à-dire que mâles et femelles vont se faire la cour. Et oui, je dis bien la cour, car notre mode de séduction peut ressembler à une valse qui aurait pu prendre lieu à la cour de Louis XIV. En effet, en fait, les hippocampes sont les professionnels de la parade nuptiale. Ils vont faire une sorte de ballet aquatique à deux, qui peut durer jusqu'à plusieurs heures. Même les lesbiennes en sont jalouses. Et en fait, ce qui est très important, c'est que les hippocampes, on a aussi bien les mâles et les femelles qui sont acteurs dans cette parade, contrairement à notamment les mannequins, où ce sont uniquement les mâles en fait, qui vont séduire. Mais c'est quand même les mâles principalement qui vont séduire leurs femelles en changeant de couleur ou encore en faisant des mouvements de danse assez particuliers. Un peu comme un mec relou en boîte, quoi. T'es mauvaise, mais c'est vrai. Enfin bref. Ensuite, la femelle va rejoindre la danse et se préparer à l'accouplement. C'est bon, tu peux retourner voir les petits. Enfin bref. Cependant, le plus intéressant et surprenant chez les hippocampes, c'est l'inversion des rôles. En effet, c'est la femelle qui va pénétrer le mâle et non pas l'inverse. Et c'est du coup le mâle qui va subir l'accouchement et la gestation. Et oui, mesdames, pour une fois, c'est nous qui avons le bon rôle. Comme tu l'as dit, sur la gauche, on peut voir la femelle hippocampe avec son ovipositeur, qui est en fait un espèce de tube qui va être mis donc dans la poche incubatrice du mâle. Donc en fait, elle va y déverser ses œufs. Et du coup, comme vous pouvez le voir, on a le mâle hippocampe sur la droite. D'ailleurs, les partenaires ne restent pas ensemble plus d'une seule saison de reproduction. En effet, il n'y a aucun lien qui unit deux partenaires. En effet, les hippocampes sont souvent monogames le temps d'une saison. Et en fait, après, ils vont changer de partenaire d'une année à l'autre. Mais du coup, c'est ce qu'on appelle de la monogamie saisonnière. Ça me rappelle un peu mon ex. Enfin bref, fun fact, si votre partenaire est contre les plans à trois, dites-lui de faire un tour chez nous. Car chez nous, les hippocampes, peut avoir plusieurs partenaires. En effet, lorsque la pompe d'une seule femelle est insuffisante pour remplir la poche d'un mâle, il va voir ailleurs. Mais c'est aussi valable pour vous, messieurs, car si votre poche est trop petite pour contenir toute la pompe d'une femelle, alors elle ira voir ailleurs. Comme quoi, si, c'est bien la taille qui compte. Mic drop. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Mic drop. Merci beaucoup. C'est donc la fin de notre voyage. J'espère que vous avez appris quelques techniques quand même pour pécho. Je dois vous laisser, désolé. C'est la fin de notre voyage. Merci beaucoup. Merci. Super. Est-ce que vous avez des questions? S'il vous plaît. Ouais. Ah, la team question. Est-ce que vous pouvez passer le micro? Ouh. Vraiment un grand moment de fun, quoi, les questions. Ça serait pour savoir quand est la saison de reproduction des hippocampes. Ouh, une question pour moi. ça dépend de la mer et de l'océan dans lesquels les hippocampes se trouvent, mais généralement, c'est de avril à octobre. En fait, je suis hyper observateur et j'ai remarqué sur vos diapos que la couleur des testicules des lamproies, elle avait changé. Des beaux droits. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Bah oui, mais effectivement, est-ce que tu peux remettre la diapo? Ça va effectivement, être un petit peu bien, il s'avère que je ne connais pas la raison pour laquelle ça change de couleur, mais en tout cas, les testicules des beaux droits mâles, elles sont plutôt d'une couleur beige quand elles sont encore fixées au mâle, et elles prennent une teinte un peu rougeâtre quand elles sont fixées à la femelle. C'était volontaire, c'est une information que j'ai vue glisser dans un article, et j'étais en mode « Oh, c'est sympa, c'est champêtre !» Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions en haut là-bas? Alors, je voulais savoir, par rapport aux hippocampes, vous avez dit que il n'y avait pas de lien qui unissait les deux partenaires, mais quand même, qu'ils restaient ensemble pendant toute une saison reproductrice. Du coup, est-ce que c'est juste qu'ils se reproduisent et après ils se séparent, ou ils restent quand même ensemble, entre guillemets, pour veiller sur les œufs, ou je sais pas? Du coup, ils se reproduisent et après ils se séparent, et la femelle n'a vraiment genre rien à voir dans l'accouchement, la gestation, etc. Genre c'est le mâle qui fait tout. Du coup, non. Voilà, ils ne sont pas ensemble durant... Mais du coup, elle va quand même pas se reproduire ailleurs après, pendant la saison? Du coup, ça dépend si elle a encore des œufs ou pas. Ok. Je pense que oui. Revendiquer les droits des papas hippocampes. Est-ce qu'il y a encore des questions? Je vois que vous êtes tous très enjoués.
Est-ce qu'il y a des endroits particuliers pour l'emplacement des testicules chez les Baudrois ou c'est... Ça peut vraiment être n'importe où. Du moment que, en fait, ça mord et que ça peut genre fusionner avec le système sanguin, et bah c'est bon. Du coup, n'importe où sur le corps. Voilà, voilà. D'autres questions ou c'est bon? Je vois que on est assailli là. C'est. Sois pas agressif. Ok, bah alors s'il n'y a pas d'autres questions, on peut passer à la suite. Wouh. Merci beaucoup. En moi ma boule. Sans des couilles. Ah là là, qu'est-ce qu'on en a appris des choses sur la sexualité de ces espèces? Effectivement, ça m'empêchera d'aller sur des sites très peu recommandables. Supprimez votre historique, c'est ça la conclusion. Voilà. Bref. Maintenant, mesdames et messieurs, le moment que vous attendez tous, enfin j'espère pas tant que ça, l'entracte. Wouhou. Voilà. Voilà, donc... Vous avez à l'extérieur de la salle... un goûter, donc vous avez des boissons, des bonbons, l'apéro, c'est toujours l'heure de l'apéro. Ouais. Voilà, on se retrouve dans 10 minutes à 15h18. La sortie se situe sur votre gauche en haut de l'amphi. N'hésitez pas à sortir comme des personnes civilisées et à ne pas courir dans les couloirs. Merci bien, à dans 10 minutes. Bisous tout le monde! Est-ce que tout le monde est là? Est-ce que vous êtes toujours chaud? Ok. Nickel. Alors, je vous rappelle que vous ne devez pas prendre de boissons ou de nourriture dans l'amphi. Voilà. N'est-ce pas? Ceux qui en ont encore, invite à aller dehors. Parce que tout à l'heure, j'ai appelé la police, du coup. Donc, faites attention, elle est en chemin. Ouais. Enfin, bref. Il y a FBI passons... aussi. Oui, nous passons aux personnes anglaises. Ladies and gentlemen, drinks and food all around the world. Please make sure to not make them sad. Thank you. Maintenant, j'espère qu'il n'y a pas trop d'LV2 espagnol dans la salle. Señoras y señores, aquí no se permite alimentos ni bebidas. Por favor, no los traigan al anfiteatro. Bref. Voilà. Place à la team sucrète, s'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements. Merci. Alors, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, moi et ma douce team sucrète, on va vous présenter la régulation glycémique et dans un autre côté, la relation entre diabète et hibernation chez les ours. Donc, en comprenant les mécanismes de régulation de la glycémie chez l'ours en hibernation, nous pourrions découvrir de nouvelles pistes pour mieux gérer le diabète chez l'humain. Donc, on va vous laisser avec la vidéo et on se retrouve juste après. Mais je me sens mal. Oui, je sais qu'on m'accourt, mais c'est qu'on ne veut pas d'ailleurs. Ah, on est stésique aussi, j'ai fait bien là-dessus. Voilà, je me fous. Je crois que je vais faire un mal. Bon, j'arrive. Ouais. Ça va? Il faut peut-être l'aider là. Attends. Quoi? Mais tu te rends compte? C'est exactement le cours qu'on a vu ce matin. Sur l'hypoglycémie. Pour l'hypoglycémie, exactement. Mais tu es en hypoglycémie du coup là? Ah mais d'ailleurs c'est vrai que le taux constant de sucre dans le sang c'est de 1 gramme par litre. Mais si on est inférieur, on est en hypoglycémie en fait. C'est comme moi. Ah mais oui, Chirelle, c'est normal que t'es en dessous, là, t'es en train de mourir. Mais Chirelle, comment expliquer chez les ours, ils peuvent vivre toute la période d'hibernation sans avoir de l'hypoglycémie?
Ah oui, mais attends, c'est mieux qu'on s'assoie pour que je t'explique mieux en détail, là. Ouais. C'est intéressant ta question, parce que pendant l'hibernation des ours, ils vont utiliser des mécanismes uniques pour les aider à maintenir leur taux de glycémie, et ils n'ont pas besoin de beaucoup manger, c'est pour ça. Montrer ? Bah, ici, pendant l'hibernation, le métabolisme des ours, il va diminuer considérablement, et du coup, il va transformer leur graisse en énergie. Et c'est ça qui va leur permettre de réguler la glycémie. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les scientifiques, ils peuvent étudier ces mécanismes pour aider les personnes diabétiques et qui font moins de malaise, comme cette personne-là. Du coup, mais c'est intéressant, ça veut dire que les ours, ils n'ont pas besoin de beaucoup manger pour maintenir leur taux de sucre stable. Oui, exactement, c'est ça. Et ce n'est pas tout, leur corps, il est aussi capable de recycler leurs déchets en protéines, et du coup, cela empêche leur taux de sucre de descendre trop bas, pour éviter l'hypoglycémie. Du coup, Chirel, elle ne respecte pas ça. Hein, Chirel ? Ah, c'est incroyable. Alors, on peut apprendre beaucoup des ours pour traiter le diabète. Mais imagine, Maria, si on pouvait réguler notre glycémie aussi efficacement que les ours. Cela pourrait changer la vie de millions de personnes atteintes de diabète, mais aussi d'hypoglycémie. Ah oui, c'est pour ça que la recherche est si importante. Ben oui. Mais oui, imaginez si on pouvait réguler notre glycémie aussi efficacement. Cela pourrait aider des millions de personnes atteintes de diabète. Et c'est pour ça que les recherches sont si importantes. En étudiant les ours, on peut découvrir de nouvelles façons pour gérer notre glycémie. Mais oui, c'est ce que je t'ai dit au début. Les ours, c'est l'outil nécessaire pour comprendre l'enjeu du diabète. Mais peut-être qu'un jour, on n'aura plus besoin de s'inquiéter sur l'hypoglycémie ou l'hyperglycémie. Et espérons-le, mais pour ce faire, il faut faire attention à sa glycémie et la surveiller, et faire attention à ce qu'on mange. C'est important de continuer à soutenir les recherches et les études. Les scientifiques, ils font tout leur possible pour trouver les enjeux, les mécanismes pour l'hibernation chez les ours. Mais attends, en parlant de manger, on a oublié de faire manger quelque chose à Chirel. Mais elle a des pommes partout. Mais Chirel, mange ta pomme, sinon tu vas vraiment mourir cette fois. Ah oui, merci Chorouk pour ton idée. Ah, ça va mieux. Vous croyez qu'elle s'est endormie? C'est bon là ou pas? Oui. Le taux constant de glycémie, c'est 1 g/L. Ah, mais c'est pour ça. Donc, après cette vidéo ironique, je l'espère, vous avez vu donc deux côtés. Un côté avec la régulation glycémique, qui est un processus vital et important pour notre santé. Et dans un autre côté, on a vu que l'hibernation chez les ours, c'est un sujet fascinant parce qu'il permet aux scientifiques de comprendre comment un ours, en général, peut rester pendant toute l'hibernation sans alimentation générale. Et ça, c'est très fascinant. Et en penchant sur les animaux, nous pourrions peut-être dans l'avenir découvrir et élaborer de nouvelles méthodes et stratégies pour gérer le diabète, tout comme d'autres maladies incurables. Et cela va permettre d'améliorer la qualité de vie de millions de personnes à travers la planète. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, la partager, la commenter et vous abonner pour ne rater aucune vidéo de la Team Sucrète. Et quand j'ai dit commenter Sucrète, sucette, n'importe quoi. Mais comme ça, vous ratez aucune vidéo. Voilà, merci. À un moment, vous disiez que les ours, ils utilisent leurs protéines pour faire du sucre. Et je voulais savoir est-ce que c'était associé à une perte de muscle aussi ou pas? Non. Parce qu'ils sont... Elles viennent d'où, les protéines? On va dire que c'est leur travail. Ils doivent transformer leurs protéines en sucre pour pouvoir éviter de manger pendant tout le mois d'hibernation. Okay. Et garder leur... Ce qu'on parle ici, c'est de la néoglucogénèse, des produits non glucose. Qui ne contiennent pas du glucose vont produire de l'énergie à partir des autres aliments. Bon, c'est bien évidemment que la quantité de la protéine va bien sûr diminuer pendant cette période, mais après la fin de l'hibernation, l'ours il va récupérer toute la quantité perdue. Voilà. Est-ce que du coup, on va plus étudier
comment l'ours, il... Enfin, je sais pas trop comment expliquer ma question, mais est-ce qu'on va plus regarder de quoi est composé l'ours, si ça a un sens, ou sa façon de fonctionner? Non, comment regarder un ours, c'est un peu bizarre, mais on va regarder comment il fait pour transformer ce qu'il a en sucre pour éviter qu'il mange pendant 6 mois d'hibernation. Et on a aussi vu que la glycémie chez l'ours, elle reste constante, qui est différent de l'humain. L'humain, soit c'est comme Chirelle en hypoglycémie ou sinon en hyperglycémie. Du coup, c'est pas stable comme l'ours. Voilà. C'est pour ça les scientifiques qui travaillent dessus. T'as compris? Juste, je voulais savoir pourquoi c'est l'ours qui a été choisi. C'est pas le seul animal qui hiberne, du coup? Non, c'est pas le seul animal qui hiberne, mais c'était intéressant de voir parce que lui, il reste en hibernation hyper longtemps. Et du coup, comment son taux de glycémie reste stable alors qu'il est en hibernation et qu'il ne peut pas manger? Du coup, on a étudié ça parce que... Ah, okay. Et du coup, les scientifiques... C'était aussi des nouvelles pistes pour gérer le diabète pour l'humain. Du coup, okay, ça nous aidait. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les écrire en commentaire, je prendrai le temps d'y répondre. Voilà. J'espère que vous vous souvenez qu'il n'y avait que 5 groupes qui passent aujourd'hui. Et du coup, on passe au dernier groupe. Merci. Nous sentons moins seuls. Je sais, ça passe vite, on me le dit souvent, mais vous inquiétez pas. Vous finissez par le meilleur groupe, le plus incroyable, le plus magnifique, le plus sublime, le plus spectaculaire, le plus incroyable, le plus magnifique. Œuf, poulet, merde. On va passer à la team plastique. Donc, je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour la dernière équipe qui va passer, s'il vous plaît. Ma première rencontre avec les plastes, je devais avoir 10-11 ans. Et depuis, je n'ai jamais arrêté. Poképlast. Pour ce qui est de ma technique dans Poképlast, je suis plutôt dans la réserve. Poképlast. Mon Poképlast préféré, c'est l'amyloplast. Il me ressemble énormément d'ailleurs. Poképlast. En fait, c'est surtout par rapport au fait coupé, que... On a moins de 30 secondes pour donner envie aux gens d'en savoir plus sur les plastes. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à l'événement Écran. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter un sujet scientifique révolutionnaire. Les plastes. Attends, c'était pas le mec de la vidéo des Poképlastes? Non. Ok. Maintenant, t'arrêtes de prendre la caméra quand j'ai deux tournées. Ok, pardon. Bon, on peut commencer la vidéo? C'est bon pour moi. Bonjour. Comme vous l'avez compris, aujourd'hui nous allons parler des plastes, et plus précisément dans leurs formes diverses. Mais Lucas, c'est quoi un plaste? En fait, c'est un petit compartiment présent à l'intérieur des cellules végétales, c'est-à-dire chez les plantes. D'ailleurs, quand on pense aux plastes, on pense souvent aux chloroplastes. C'est vrai, c'est un peu la Taylor Swift des plastes, et ça se comprend, puisqu'il est méga stylé. Regardez-moi ces belles photos de chloroplastes. Mais bon, on ne vous en montre pas plus, on en reparle plus tard. D'ailleurs, Lucas, quand on parle de plastes, souvent on parle de différenciation, et je me rappelle plus trop ce que c'est. Tu peux m'expliquer Attends, laisse-moi regarder. En fait, c'est juste le processus qui permet le passage d'un type de plaste à un autre. Mais souvent, on parle aussi de dédifférenciation. C'est quoi la différence entre les deux? En fait, c'est tout simplement quand un plaste différencié reprend sa forme d'origine. Mmh. Du coup, quand un chloroplaste, par exemple, il redevient un proplaste. Exactement. Ok, parce que du coup, le proplaste, c'est la première forme. Ouais, c'est ça. Ok. C'est ce qui permet de... mener à toutes les autres formes, donc chloroplastes, t'en as plein d'autres, éthioplastes, chromoplastes. Mais chloroplastes, chromoplastes, et je crois que t'as dit aussi éthioplastes, et du coup le proplaste, ça fait beaucoup de noms quand même, ça me paraît compliqué. Ouais, je comprends, en fait faut plutôt voir ça un petit peu comme des Pokémon. À la place du terme Pokémon, imagine que ça pourrait être des Poképlastes, par exemple. Des Poképlastes? Ouais, ils seraient capables de se différencier en différentes formes. Au lieu d'évoluer comme des Pokémon, du coup,
Ils peuvent aller dans un sens et dans l'autre. C'est ça. Ok. Ils auraient un monde aussi ? Pourquoi pas ? On pourrait l'appeler Plastoland. Je vois. Bah attends, je vais te montrer. Identifions ce Poképlast avec mon Plastodex. Oh, c'est un Proplast ! Il me le faut ! Et toc, c'est dans la poche. Là, un autre Poképlast ! Vite, une Plastoball ! Non, j'ai vu ce chloro, la première ! Lucas ? Elisa, mais qu'est-ce que tu fais là ? Bah, tu vois, j'attrape des Poképlast comme toi, visiblement. Tu viens quand même d'attraper mon Poképlast sous mes yeux. Pour la peine, je te défie. Ok, j'accepte. Je choisis... Ah bah, Chloro. Et moi, Chromo. Mesdames et messieurs, ce combat risque d'être très intéressant. Donc, selon vous, qui risque de gagner ce combat ? À ma gauche, Lucas, qui pense qu'il va gagner ? Levez la main et faites du bruit ! Ouais ! Nickel. À ma droite, Elisa. Qui pense qu'elle va gagner ? Allez, ça y est. Maintenant, comme tout mon pari, il y a de l'argent. Donc, vous inquiétez pas, je passe dans les rangs. 50, 100, 200, chèque, TPE si vous voulez, sans contact aussi, ça me va très bien. Je vais faire le tour. Ça me va ! Bref. À la fin de l'amphi, vous inquiétez pas, il y aura une petite caisse. Dans tous les cas, commençons ce combat. Chloro, attaque photosynthèse. Ouh. Cette attaque risque de faire très, très mal. Je vais refaire ma moustache. Cette attaque fait perdre tout son CO2, son eau et sa lumière à son adversaire. Dans la réalité, la photosynthèse, c'est pas ça. Ça permet la création, la production aussi, de matière organique à partir de CO2, d'eau et d'énergie lumineuse. Ah ouais, tu la joues comme ça. Pour la peine, Chromo, attaque pigment coloré. Cette attaque est inoffensive sur mon chloro. Et tu sais pourquoi ? Parce qu'il est vert. Et les chromoplastes comme le tien n'ont pas de pigments verts. Tu ne peux donc rien contre moi, je suis invincible. T'as fait le mauvais choix. Ce qu'elle raconte est vrai. Les chromoplastes n'ont pas de pigments verts. Sinon, ce serait des chloroplastes. Est-ce que c'est bon pour vous ? Les chromoplastes, c'est ce qui donne à la tomate, par exemple, sa couleur rouge. Chloro, contre son attaque, en attaquant avec pigment vert. Mesdames et messieurs, Chromo est vaincu. C'est une victoire de Lisa, s'il vous plaît ! Ok, j'ai fait le mauvais choix, mais mes autres Poképlast sont meilleurs. Je te demande une revanche. Ok, j'accepte. Je choisis Amilo. Et moi, Stato. Un deuxième combat intéressant, dites-moi. Effectivement, le statoïde provient de la différenciation d'un amyloplaste. Qu'est-ce que c'est la différenciation ? Il fallait écouter la vidéo. Enfin bref, comme tout à l'heure, qui pense que Lucas va gagner, s'il vous plaît, mesdames et messieurs ? Qui pense que Elisa va gagner ce combat, mesdames et messieurs ? Je vous rappelle que le TPE vous attendra à la fin de l'amphi, à votre droite. On reprend. À toi l'honneur, je te laisse l'avantage. Oh, tu parais bien sûr de toi. Mais je te laisserai pas pour autant gagner. Amilo, fais des réserves d'amidon. Oh, tu décides de ne pas m'attaquer ? Tant pis pour toi. Stato, attaque gravité. Amilo, concentre tes réserves. Oh non ! Amilo est à terre ! Vous savez pourquoi ? Parce que les statolithes ont le pouvoir d'indiquer la gravité aux racines de la plante. Pas bête, ces statolithes. Enfin bref, c'est parce qu'elles baignent dans un liquide à l'intérieur de la racine qui, quand, et sont plus denses que ce dernier, donc elles vont tomber tout au fond. Quoi ? Non ! Amilo, tu peux pas me faire ça ! Relève-toi, s'il te plaît ! Non ! Mesdames et messieurs, Amilo est vaincu, c'est une victoire de Lucas, s'il vous plaît ! Bon, j'avoue ma défaite, c'était un beau combat. Ouais, et puis maintenant, bah, on en sait un peu plus sur les plastes. Enfin, je me déplace pas si loin la prochaine fois juste pour ça. Hein. Oui.
Ouais, ouais. Mesdames et messieurs, c'est une fin d'événement écran aujourd'hui. Un tonnerre d'applaudissements. Pour ce fait, nous allons remercier tout le monde. Il y a des questions, il y a des questions. Les questions tout d'abord. Je vais un peu finir. Bref. Question ? Moi j'ai une question. Il y a deux questions. Il y a deux questions. Vous les posez chacune votre tour, qui commence ? Bataille à mort. Okay. Bonjour. Bonjour. C'est quoi votre place préférée ? Moi je suis très curieuse parce que je vois le petit dessin derrière vous et je vois qu'il y en a qu'on ne connaît pas. Est-ce que vous pouvez nous les présenter ? Qui sont-ils ? Ils sont beaux ? Là vous voyez un peu le rhinocéros un peu bizarre là. Lui c'est le protéinoplaste. Donc un peu stock, normal, il stocke les protéines, donc il en faut quoi, il faut du muscle un petit peu. Ensuite, il y a l'oléoplaste, ici là, c'est un peu, enfin il a une grosse marmotte de beurre dans, son, dans sa petite poche là. Donc, j'ai dit une marmotte de beurre. C'était une mode de beurre que je voulais dire. Tac, j'ai un laser, ok, je sais pas l'utiliser, très bien. Hop, ok. Lui, bah, je voulais présenter, celui-là aussi. Celui-là, bah, c'est le mien, c'était le plus BG. Moi, c'est mon préféré, si c'était la question. J'aime beaucoup celui-là. Ensuite, on a le chloroplaste. Ah, c'est mon préféré, il me ressemble d'ailleurs. Voilà, effectivement. Petit arbre ici, magnifique. Ensuite, ici, on a l'éthioplaste, qui est un plaste différent que l'on n'a pas présenté. Et je vous invite à lire notre billet. Voilà, c'est Bionum, n'hésitez pas. Et ici, bah, voilà, c'est le proplaste, le meilleur, la première forme. Ouais, tu peux. Donc voilà. Expliquer aussi, quand même. Voilà. Il te ressemble aussi. Énormément. Il y a d'autres questions ou Ok. Pour quelle raison un plasme change de forme et pour quelle raison il reprend sa forme initiale ? Alors, tout dépend de la situation. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation finalement. Mais pour la faire courte, parce qu'on n'a pas 3 heures, là où il y a l'embranchement des flèches, ce n'est pas une autoroute, c'est un autre type de plasme qu'on n'a pas décrit, le locoplaste. Et en fait, ça va être en fonction de la nécessité, de quoi la plante a besoin. Par exemple, dans la pomme de terre, la pomme de terre a besoin de stocker de l'amidon. Donc, ces plastes qui étaient sous forme de locoplastes au début, de proplastes, pardon, elles vont se différencier en amyloplastes, puisque l'amidon, c'est les réserves de la pomme de terre. Et du coup, ça va expliquer que la pomme de terre a des amyloplastes. Et par exemple, les feuilles des plantes, ce sera des chloroplastes parce qu'elle a besoin de faire de la photosynthèse. Et dans les chloroplastes, il y a de quoi faire de la photosynthèse avec tout ce qui est thylakoïdes, chlorophylle, et voilà. Ok, elle a parlé de leucoplastes. En fait, les leucoplastes, c'est le groupe dont fait partie le protéinoplaste, l'amyloplaste et l'oléoplaste. Donc, c'est tous ceux qui stockent le protéinoplaste des protéines, l'amyloplaste de l'amidon et l'oléoplaste des lipides. Voilà. Juste une petite précision. Bah, c'est vrai que ça avait beaucoup de noms, ce qu'on a dit là. Mais on vous invite vraiment à lire notre billet. Bah, parce qu'on a pris beaucoup de temps à le faire, déjà, de une. Et puis, si vous voulez en savoir plus, c'est toujours intéressant. On vous invite à lire aussi tous les billets de toute la classe. Donc, voilà. Ils sont disponibles sur le site. C'est voilà. Bionum. En tout cas, je suis désolé. Toutes les bonnes choses ont une fin. Ça me fait plaisir. Ne soyez pas triste, il y a un autre groupe l'année prochaine. Moins bien, mais parce qu'on n'est pas là. Donc, on va repartir sur le fait que je crie depuis tout à l'heure pour faire les remerciements génériques. Voilà.